Et les lions, comment qu'ils vont? Les lions, on va faire vos énergies du mois de juin, comme tout le monde, général. Oui, parce que vous êtes comme tout le monde, ça suffit maintenant. Comme tout le monde, général. Ensuite, sentiment de ça. Ensuite, le petit blocage. Et puis voilà, c'est fini. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a des changements au niveau amical et sentimental. On vous parle aussi d'enfants. Alors, soit il va y avoir des grossesses dans l'air, soit il va y avoir des enfants intérieurs guéris. En tout cas, j'ai l'impression qu'il y a votre famille d'âme là qui approche, qui arrive à vous. Moi, c'est vraiment ça que je ressens. Je ressens des gens qui vous ressemblent. C'est peut-être déjà le cas. Hein. Vous avez peut-être déjà des amis autour de vous. Je ne dis pas le contraire. Mais moi, j'ai cette impression qu'il va y avoir un renouveau. Parce que vous voyez, on me dit qu'il va y avoir des déplacements, etc. pour plus d'équilibre. Et je ressens que c'est au niveau plus relationnel. Parce que dernièrement, vous avez pu avoir des épreuves. Et maintenant, vous avez peut-être le besoin de trouver des gens qui vous ressemblent, de vous enraciner par rapport à d'autres personnes et pas spécialement ceux qui vous entouraient. Donc, vous allez certainement garder une partie des personnes qui vous entouraient. Mais j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup de renouveau pour vous sur le plan plus amical et surtout par rapport au lien d'âme que vous pourriez avoir avec des personnes. Donc, peut-être même sentimentalement, peut-être même amicalement et autres d'ailleurs, voyez? Il y a ce côté famille. Moi, j'ai l'impression qu'il y a votre famille d'âme qui arrive là à vous. Après des séparations que vous allez vivre avec des autres personnes, vous allez plus vers une joie, un bonheur retrouvé, des réussites plus flagrantes sur un plan plus relationnel. Moi, c'est ce que je sens pour vous, les lions. Alors, au niveau sentimental, on va regarder à ça. À mon avis, Nana est lionne parce qu'elle vient nous rejoindre à ce moment-là. Alors qu'elle a fait dodo tout le long. Alors, on vous parle ici d'équilibre retrouvé entre votre mental et votre cœur sur le plan plus sentimental. D'union équilibrée surtout. Plus apaisée également, qui progresse. Donc, c'est peut-être pas encore le cas. C'était les réseaux sociaux que j'ai eus, donc des discussions, etc. C'est peut-être pas encore le cas, mais ça va l'être si vous êtes célibataire. On vous parle d'énormément de tendresse. En fait, il n'y a que du positif dans ce jeu. On vous parle aussi d'un déplacement, d'un voyage qui pourrait arriver en lien avec le sentimental. Et ce qui est assez bizarre, c'est qu'on a déjà eu les enfants tantôt et maintenant on a de nouveau. Donc, peut-être une grossesse pour certains d'entre vous. Ben ouais, ceux et celles qui vont rencontrer The Bonne personne vont forcément faire des babies ou en tout cas soigner, guérir leur enfant intérieur pour les autres. Donc ceux qui ont 45 ans ou 65 ans ou je sais pas quoi et qui veulent plus d'enfants, me dites pas, mais moi j'ai plus envie d'enfants, on a capté. C'est pas que pour vous, c'est global. Alors là, on vous parle d'apprentissage, de renouveau. Donc il y a certainement des personnes aussi qui vont mais vous apprendre de nouvelles choses. Et on tient quand même à vous le dire au niveau de vos blocages, entre guillemets. Voyez, on me dit que vous avez pu vous sentir énormément envahi par certaines personnes. Donc là, si vous vous sentez trahi, trahi, que vous n'arrivez plus à sortir de votre mal-être psychologique par rapport à ce que d'autres personnes vous ont fait, par rapport à vous-même aussi, n'hésitez pas à demander de l'aide. C'est ce qu'on vous conseille ici, les lions. Ne soyez pas une proie, ne vous laissez pas faire surtout. Il est vraiment temps que vous retrouviez des personnes qui vous ressemblent et qui vous font vous sentir bien. Donc voilà, j'espère que cette guidance va vous guider, vous aider tout au long de votre mois de juin. Moi, je vous fais plein de gros bisous et à très vite!